Et bonsoir Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à cette 12e journée de séance guidée. On arrive au bout de la seconde semaine. Il restera encore une semaine d'exercice guidé. Aujourd'hui, je vous propose une méditation où l'on va se poser la question: qu'est-ce que je ressens lorsque je me perds dans mes pensées? Cette séance dure 13 minutes. Alors, avant de vous faire découvrir cet exercice guidé, une information: demain soir, je vais animer un atelier en direct où on va découvrir ensemble pourquoi on a tendance à s'auto-saboter lorsque l'on travaille sur un projet qui nous tient à cœur. On verra ensemble comment la pratique de la méditation introspective va nous aider à dépasser nos blocages et à aller de l'avant dans les projets qui sont importants pour nous. Pour participer à cet atelier en direct demain soir, il vous suffit de vous inscrire en allant sur le lien méditationintrospective.com. Je répète, méditationintrospective.com. Allez, je vous laisse découvrir l'exercice guidé d'aujourd'hui qui dure donc 13 minutes et je vous donne rendez-vous à lundi pour la journée 13 de ces séances guidées. Bonne découverte. Bienvenue à cette nouvelle méditation guidée. Alors, vous allez commencer par vous installer confortablement, à même le sol ou bien sur une chaise. On s'assure d'avoir le bassin bien positionné, encombrant légèrement le bas du dos. On met de la hauteur dans la colonne, les épaules sont relâchées, les mains sont posées sur les cuisses ou en coupole, l'une dans l'autre. Et si vous le souhaitez, avec une expiration, vous allez fermer les yeux. On va petit à petit s'installer dans cette posture, s'installer dans son corps. Observez maintenant le mouvement de la respiration. Là où il se manifeste le plus clairement, au niveau du ventre, de la poitrine ou peut-être de l'air qui glisse dans les narines. Et on va sentir le flot de la respiration en commençant par le début de l'inspiration, suivi de l'expiration qui va jusqu'au bout. Dans cette position immobile, on continue à porter notre attention sur le ressenti du mouvement de la respiration. La respiration suit son cours naturellement et l'on observe simplement son va-et-vient. Tout en restant connecté au ressenti de la respiration, on va se poser la question: qu'est-ce que je ressens lorsque je me perds dans mes pensées?
tout en ressentant le flot de la respiration, l'inspiration suivie de l'expiration. À nouveau, on va se poser cette question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens lorsque mon attention se perd complètement dans les pensées? Ce qui est intéressant avec cette question, c'est lorsque l'on porte cette qualité d'attention, on va avoir tendance à beaucoup moins se perdre dans les pensées. On va moins plonger dedans. Le simple fait d'observer ce qui se passe en soi, au niveau de la respiration, mais aussi au niveau de l'émergence des pensées, va nous éviter de plonger dans l'inconscience des pensées. On peut ramener l'attention sur la posture, redresser légèrement le dos si nécessaire et continuer à sentir ce mouvement du souffle, le mouvement de la respiration et encore se demander qu'est-ce que je ressens lorsque je perds cette connexion à la respiration, qu'est-ce que je ressens lorsque je me perds dans les pensées. Tout en observant cela, je permets à mes épaules de rester détendues. La mâchoire se relâche. Le visage s'adoucit. Je suis pleinement présent et je reste curieux sur ce que je ressens lorsque je me perds dans les pensées. C'est un moment où vous êtes perdu dans vos pensées,
simplement ramener votre attention au ressenti de la respiration en commençant par le début de l'inspiration et puis en allant jusqu'au bout de l'expiration. Pendant les deux dernières minutes de cette session, je vous propose d'être pleinement attentif au mouvement de la respiration. Et vous pouvez aussi vous poser la question: qu'est-ce que je ressens lorsque je me perds complètement dans mes pensées? Tout en gardant votre attention sur le flot de la respiration. Bien, vous allez maintenant ramener votre attention sur vos mains et on va faire une grande inspiration. À nouveau, faites une belle inspiration. Et puis, à votre rythme, avec une expiration, on va ouvrir les yeux. Merci d'avoir suivi avec moi cette méditation guidée. Cette question que l'on peut se poser dans ses séances, dans sa séance, le fait de se demander qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma conscience lorsque je me perds dans mes pensées, le fait de se poser cette question permet d'accroître sa vigilance au moment présent et de moins se perdre dans les pensées. Donc encore une fois, merci d'avoir suivi cette séance et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une future session.